Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce deuxième jour de conférence et merci de venir parler de SQL avec moi et de discuter sur pourquoi PG est pour moi la meilleure database et qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire au travers de vos applications. Et surtout, vous allez pouvoir déléguer du travail à PG que vous n'aurez pas à coder vous-même. Bon, vous allez y gagner. C'est le but dans cette presse. Donc tout d'abord un peu d'histoire. Dans les années 70, Michael stonebreaker a créé une base de données nommée Ingress. Un projet qui, commercialement parlant, a très bien marché. Il y a eu de la concurrence. et À l'époque, le n'existait même pas. Il a créé cette base de données et, au fur et à mesure des retours de prod, il s'est dit qu'il y a des choses à créer différentes, à améliorer. Et donc, il est retourné sur les bancs de la fac en tant que professeur, mais il a travaillé avec des euh, étudiants très, euh, très bons pour créer ce qui est devenu, après Postgres. Postgres, donc, est issu de Ingress et ce qu'on appelle Post-Ingress, d'où son nom. Et à cette époque-là, on réalisait des choses avec des noms contenant les années des produits. Donc on sait le fameux Windows 95 et autres. Ça marche, mais ça marche sur une année. Dès l'année suivante, ils se sont dit, on va enlever ça. Et en plus, avec le support montant et la fame autour du SQL, on va l'appeler PostgreSQL V1 parce que c'était la première release. Mais le problème, bah, c'est qu'il y avait du passif. Ça faisait euh, cinq ans qu'ils faisaient des releases du projet Postgres. Donc, ils ont voulu réaligner ça. Donc, c'est pour ça que si vous regardez l'historique, c'est un petit peu le bordel sur les premières années. Mais comme tout projet, aujourd'hui, on fait des zéros pour quelque chose pendant 10 ans. Bah là, à l'époque, ils ont tout réorganisé. Et à partir de la V6, tout est ordonné correctement. Pour me présenter, je m'appelle Kevin, Google Developer Expert sur Kotlin et Google Cloud, donc plutôt back-end, euh, fan de CI-CD dans GitLab contributeur open source quand je peux et à côté de ça je travaille chez Gradle, Or petit laïus côté Gradle, vous connaissez certainement le build tool, moi je travaille sur autre chose, je travaille en fait chez Gradle on a un leitmotiv qui est de rendre les développeurs heureux, ce qui est super pratique quand on travaille en tant que développeur chez Gradle, en fait on veut améliorer la développeur expérience. On pense même que c'est un, un, un élément différenciant et marquant. On a écrit même un bouquin qui est derrière ce, ce QR code, un livre blanc, sur la Developer Productivity Engineering. C'est comment faire que votre boucle de feedback en tant que développeur soit améliorée. Et on a même créé un outil, parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc on a créé un outil. Qui permet, donc compatible Gradle, Maven et Bazel, euh, de mesurer les choses et de dire, ben voilà, vous passez tant de temps à builder vos outils, à builder, euh, à faire de la, euh, des tests. Il y a des tests qui sont flaky. On peut améliorer ça, faire de l'analyse, ne lancer que les tests importants. On peut fournir plein de choses pour vous faciliter la vie. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et cet outil utilise énormément le SQL. En fait, on est très bas niveau et on fait du SQL avec. Et le SQL, c'est un un langage structuré, Structured Query Language de niveau 4, donc c'est un, un langage déclaratif où on dit ce qu'on veut et le système va le faire pour nous. Et c'est un des rares langages aujourd'hui qui a une norme ISO 9075-1. Or ce qui est un peu chiant, c'est que quand on veut la lire, il faut payer pour lire la norme ISO. Mais il y a une norme, ce qui est déjà quand même intéressant. Et cette norme, j'ai cette fierté de faire venir des personnes en conférence pour parler d'un truc qui est plus vieux que moi. Quand on parle de FAME et de nouveaux frameworks tous les, tous les mois, bah aujourd'hui, on parle de SQL qui a été créé en 86. J'ai travaillé pour cette présentation avec la norme de 2016. Donc, on voit. Euh, et le problème, il n'y a pas eu. Euh, 2016 était un peu ancienne au moment où je rédigeais les slides. L'effet Covid n'a pas aidé, mais forcément, puisqu'il fallait que je fasse la présentation, ils ont sorti une release juste avant. Donc maintenant, il y a la version SQL 2023. Donc le langage SQL, ne voyez pas ça comme quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue, qui s'améliore, qui intègre des nouvelles choses et qui, vous, et qui va vers ce que le business a besoin. Donc euh, si vous ne connaissez que les éléments de SQL 1992, il y a un petit peu de refresh à faire. Et une chose importante avec le SQL, n'oubliez jamais l'ordre d'exécution des choses. J'ai zéro mémoire, donc moi j'ai toujours un truc comme ça écrit quelque part sur ma machine qui me permet de savoir l'ordre des étapes. Ce qui est important de noter, le FROM et le JOIN sont les seuls qui vont loader de la data. Ils vont aller prendre des choses qui viennent de la DB, qui viennent de différentes sources de données. FROM et JOIN. Tous les autres sont des Manière de manipuler la data, de la filtrer, de la mapper, de faire des reduce, si on parle un peu fonctionnel, mais vraiment donc de transformer, d'agréger les choses. Toutes les autres étapes. La première génère de la data, ou l'autre de la data, les autres la transforment. Et petit élément particulier, en tout cas qui m'est propre, et ça commence à venir dans le monde SQL, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout en uppercase, tout le temps. Ce n'est pas obligatoire. Ça, ça date des années 80 où on avait des IDE et des éléments qui n'étaient pas forcément très user-friendly. Donc, la case s'imposait. Mais aujourd'hui, et dans tous les slides, hormis le premier que je ne voulais pas spoiler, tout sera écrit en lowercase et vous avez le droit de faire ça. On a de la coloration, on a des IDE évoluées. Donc, n'hésitez pas. Et pour faire une bonne présentation sur du SQL, eh ben, il faut une bonne data, euh, une bonne base de données. Donc, j'ai pris la Sakila Database. La Sakila Database, c'est une BDD qui a été mise à disposition par les personnes de MySQL il y a quelques années. Et quand je dis quelques années, elle représente le, le commerce de vidéoclub. Donc, autant vous dire que ça date un peu maintenant. Euh, mais elle, elle est intéressante parce qu'elle présente plein de caractéristiques particulières qui vont vous permettre de travailler et de jouer avec des requêtes. C'est toujours mieux que de jouer. Sur des data de prod, surtout si vous devez faire des deletes et des inserts, vous allez pourrir votre BDD. Utiliser un modèle comme ça, c'est plein de sources de bons exemples. Par exemple, il y a la partie média, on va beaucoup l'utiliser aujourd'hui dans les exemples, avec les films, les acteurs, les catégories, et la partie business, les locations, le staff, les magasins de la franchise et ce genre de choses. Mais c'est un modèle complet avec quelques défauts qui, derrière, bah, vont vous permettre de travailler et de faire des requêtes avancées. La première chose dont je voulais vous parler, c'est les commentables expressions. Ça n'est même pas quelque chose de spécifique à PG. PG le supporte, mais le SQL, le sub, le, et ça fait partie de la norme SQL et donc vous l'aurez dans d'autres databases. On a tous vu, tous manipulé ce genre de choses, des requêtes imbriquées où on est obligé de lire, un peu comme le callback L quand on fait de la synchrone, des trucs à droite et en fait on remonte dans la stack de droite à gauche, du milieu vers l'extérieur et on agrandit et ça, c'est juste horrible. Personnellement, à lire, je galère. Un trouble de l'attention entre le, les, les lignes pour moi. En fait, c'est comme si je vous donnais ça en Java, et je vous disais de le comprendre. Même si vous avez de la coloration syntaxique sur les parenthèses, ben, c'est un petit peu compliqué de se dire que toutes les méthodes ont la même signature. Ça ne se voit pas hein, dans le slide d'avant, c'est compliqué, parce que c'est imbriqué. Alors que déjà, ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, les commentables expressions, pour moi, ça va déjà être une manière de rendre les choses plus lisible, plus lisible pour celui qui écrit et celui qui lit le code. Donc, pas forcément pour l'exécution, mais au minimum pour vous. Et donc, cette lisibilité, elle va être amenée avec l'idée de sortir dans une clause with qu'on voit en haut, la requête qui était imbriquée, et on va la consommer dans la partie basse, le dernier select, qui est celui qui va générer la data que vous allez vouloir récupérer. Donc, c'est comme une étape intermédiaire euh, dans votre workflow et vous extrayez la, 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 la requête qui va bien. Et, un élément, effet de bord de cette méthode, c'est qu'on va nommer les choses. Et quand je dis les, nommer les choses, c'est important. Dans l'exemple Java, on avait des noms. Ben là, on va aussi nommer. On donne le nom du, de, de la requête et donc ce qu'elle fait. C'est un peu comme une fonction ou une méthode. Quand vous la nommez, cette méthode substring, par exemple, vous n'allez pas regarder l'implémentation dites, ça fait un substring. Ben là, ça fait la liste des euh, rentals de Documentary. Et ben, quand vous allez l'utiliser dans la partie basse, vous n'allez peut-être pas forcément regarder dans l'implémentation. C'est un détail. Peut-être que pour du debug, vous allez y aller, mais sinon, vous pouvez vous suffire de la lecture de la partie basse. Et dernière partie, sur euh, les commentables d'expression, l'exécution. Au final, vu que c'est un langage, encore une fois, de niveau 4, c'est-à-dire que vous écrivez des choses, mais le moteur va, l va exécuter ça d'une autre manière. Eh Peut-être que les euh, table expressions qui sont en haut, euh, eh, si elles sont toutes disjointes en termes de data, qu'il n'y a pas la une qui appelle des choses de la 2 ou de la 3, euh, ben, le système va pouvoir dire, OK, il n'y a aucun point commun entre elles, je vais pouvoir les exécuter en parallèle. Vous n'avez même pas besoin de le dire, le système va pouvoir le faire. PG le supporte, pas à 100% et dans tous les cas, mais ça s'améliore, donc c'est quelque chose qui permet en plus de gagner en performance. Une autre super feature du monde SQL, c'est les window Functions. Si on regarde le pipeline de tout à l'heure, les Window Functions, c'est une étape qui a été ajoutée. C'est assez remarquable hein, d'avoir une nouvelle étape dans ce workflow. Je crois que c'est quasiment la seule dans les 20 dernières années qui a été ajoutée. Les Window Functions, elles vont vous permettre de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, forcément. Par exemple, ici, si je prends tous mes films et je les euh, group by le rating, donc le rating, c'est le format américain pour dire moins de 16, moins de 12 et, et compagnie. Ben, je vais prendre la data et le group by il est destructeur. Il prend de la data, il fait juste un reduce, donc vous perdez l'information de la ligne en question. Donc si par exemple en même temps que cette liste, je voudrais le nombre de films globaux, eh ben je pourrais pas. Je serais obligé de faire une somme des, des, des éléments de la deuxième colonne parce que mon modèle est particulier et m'assure que chaque film a un rating. Donc je sais que la somme à droite donnera all. Mais en vrai, ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, c'est ça. Le, le, la, la, la Window Function, ça, elle va nous permettre de faire des choses plus avancées sur les lignes. Et la première, ça va être les filters. Le filter va nous permettre. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma première ligne avec un count all. Il n'y a pas de Window Function, rien de particulier. Et à partir de la suivante, je vais faire des count étoiles. Et cette fois-ci, je fais un filter et en fournissant un prédicat. Ce prédicat where, c'est le même que vous auriez pu écrire après le from. Donc rien de nouveau. C'est juste qu'on peut le placer à un endroit différent. Et là, vous allez dire, bah, quand mon rating est euh, PG, par exemple, je vais récupérer euh, un certain nombre. Donc là, on voit hein, la table, ça ressemble à un pivot de l'autre table, elle est juste présentée autrement, mais j'ai toutes les informations de tous les films, plus les informations des films scindés en fonction de leur rating. Et ça, on n'est pas obligé de le faire sur une énume, On peut le faire, par exemple, ici, sur la durée du film. Et c'est plus sûr que ça, avec un groupe bail, on n'aurait peut-être pas pu le faire, parce qu'un film de 180 minutes est aussi un film... De plus de 30 minutes. Donc ça veut dire que la somme des trucs à droite euh, du hall que vous voyez en bas, euh, la somme de ces éléments-là n'est pas la somme du, euh, de hall. C'est vraiment différent. Donc avec une group bail, ça aurait été vraiment très compliqué, si ce n'est impossible. Et ces, euh, différentes, euh, ces différents filtres, vous pouvez les agréger. Et en fait, en un seul round trip, prendre plein de valeurs extraite de l'ADB sur plusieurs critères sans avoir à faire deux, trois, quatre requêtes. Donc au final, vous récupérez plus de data. Le moteur, c'est l'optimiser, puisqu'il va lire la ligne, il va pouvoir faire des traitements sur la même ligne pour deux choses différentes en parallèle. Et derrière, vous avez exactement ce que vous voulez. Donc vous, tout le monde y gagne. Une autre euh, super fonction euh, Window function, LAG et LEAD. En fait, généralement, on est limité à la ligne sur laquelle on travaille. Mais là, avec ces éléments-là, vous allez pouvoir accéder aux lignes précédentes et aux lignes suivantes pour pouvoir faire des choses un peu particulières. Ici, si on regarde, le film qui a été le plus loué, c'est Bucket Brotherhood. Mais par contre, si je voulais présenter dans la UI, le film et la location en cours de ce film-là. Et ce film-là, ensuite, il a été loué par une autre personne. Et au lieu de mettre un bouton Next, je voudrais dire, le prochain qu'il a loué, c'est telle autre personne. Ça, ça veut dire, logiquement, deux lignes à interroger. Ben, en vrai, avec les opérateurs lag et lead, vous allez avoir accès à la ligne précédente et à la ligne suivante, et pas forcément sur l'intégralité des lignes du système, mais plutôt sur une partition, comme on le voit ici. Euh, sur une partition, ici, je vais le limiter à l'ID euh, de l'élément. Et donc, on voit, alors c'est une vue SQL, mais imaginez qu'on le présente dans une UI. Ici, on voit que Loretta Carpenter, elle est la première à avoir loué cette version du film. Donc, ben, personne avant elle, nul. Et par contre, c'est Willy Borkham qui l'a, derrière euh, Willy Markham, qui l'a loué. Okay. Donc là, on a réussi à avoir la ligne précédente et la ligne suivante présentées sur la même... Euh, information. Donc en final, on ne récupérait que cette ligne et on le présenterait dans la UI. Et cette ligne-là, bah, si on regarde la location suivante, c'est Willy Markham aussi, Loretta Carpenter, c'est la précédente, et euh, Bobby Bordros, c'est le suivant. Et donc on peut avoir comme ça l'information du précédent pour des calculs mathématiques ou pour d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et je peux bien sûr extraire la Window Function, euh, ou en tout cas la caractéristique de la Window pour la partition, pour pouvoir la réutiliser avec un nouveau mot-clé Window à la fin. Une autre feature, les rankings. On veut afficher, par exemple, encore une fois, euh, Bucket Cat c'est celui qui était le plus loué, ok, c'est le gagnant. Mais par contre, imaginez, je veux prendre les 3-4 euh, plus loués. Ben, au final, je vais pouvoir faire ça. Une commande table expression, je prends tous les films, et là, je vais afficher un ranking, un Dance Ranking pour ces éléments-là. Donc, vous voyez le résultat de la requête. On va expliquer ce que vont faire dance rank et rank dans ce cas-là. Mais solution naïve de départ, je veux les trois les ou quatre euh, plus loués, ben, je vais faire ça, limite quatre. On voit que ça marche pour les deux premiers. Troisième, quatrième, cool, ils sont exequos, pourquoi pas. Mais par contre, il y a des exequos au-delà du quatrième. Donc pourquoi c'est cela donc vous allez potentiellement présenter dans la UI avec cette, cette fonctionnalité-là quelque chose d'incomplet et qui peut changer parce que ça dé, peut dépendre de l'ordre de stockage de l'ADB. Si l'ADB a fait de la réorganisation en mémoire, peut-être que les données ou l'index a changé, les données, les trois premiers ne seront plus les mêmes. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Donc ce qu'on va faire, c'est potentiellement utiliser le ranking. Et donc là, le rank, bah, inférieur ou égal à 4, je vais prendre tous ceux dont la colonne est inférieure ou égale à 4, comme son nom l'indique. Et là, ça va me permettre, en fait, ce ranking va prendre la notion d'exéco en compte. Donc je vais avoir... Euh, les éléments, tous les éléments ex dans la partie numéro 3. Mais par contre, après le troisième, j'ai le huitième. En fait, j'ai autant, je suis à la position, le premier de la position avec n précédent, qui est le nombre de lignes avant moi. Donc je suis huitième, il n'y a pas officiellement de quatrième. Il n'y a que des troisièmes, puis des huitièmes avec ce ranking. Et le dance rank, ben, c'est l'élément inverse, c'est des blocs en fait. Le bloc des premiers, le bloc des deuxièmes ex le bloc des troisièmes, le bloc des quatrièmes. Donc là, il y en a au-delà de ce que je peux présenter sur ce slide. Mais ça permet donc d'avoir cette notion de ranking directement, directement faite par l'appli. Donc déléguer ça, euh, par l'appli, par la BDD. Donc déléguer ça à la BDD plutôt que de le faire dans votre code en loadant tout en mémoire. Une autre super feature que j'adore utiliser, en général, on peut en faire plein de choses, les Renumbers. Moi, je l'utilise beaucoup pour nettoyer de la BDD. Imaginez, on a une BDD, là je crée une nouvelle table, les films avec des duplicats, très peu de caractéristiques dessus, et j'y insère mes 1000 films dedans. Mais je fais un Union Hall et j'y insère encore des films de cette même liste, prends, je les prends ordonnées de manière random, donc au hasard, et j'en prends 40. Ok, on est tous d'accord, il va y avoir donc des duplicats dans cette table. C'est le but j'ai 1040 films, vu que ma base en faisait au départ 1000, ben, je vais avoir des éléments qui vont se répéter, adaptation holes dans ce, dans ce cas-là. Et on voit que les IDs, eux, sont différents. Logique, ils ont été générés automatiquement par le système. Et dans, quand on veut nettoyer les BDD, ben, on a tendance à vouloir garder l'ID le plus ancien. Or, si on fait un group by, on va faire un group by par le titre, et donc on va perdre l'ID. Donc ça va être compliqué, il va falloir potentiellement faire des commentables d'expression pour récupérer l'ID le plus élevé et autres. Avec le renumber, on va pouvoir nettoyer ça. Donc, on va faire une requête. Le renumber, son taf, il va juste prendre chacune des lignes. Si on ne met aucune partition dessus, chacune des lignes, il va mettre 1, 2, 3. C'est exactement la colonne que votre IDE présente pour vous dire ben, c'est la ligne 50. Il va faire la même chose. Et si on met une partition, ben, il va faire ce, cet étiquetage que sur la partition qui correspond. Donc, sur la partition du titre, dans mon cas. Et donc, à chaque fois qu'un film apparaît avec un titre, il va mettre 1. Si le film suivant a le même titre, il va mettre 2. Si c'est un film différent, il va repartir à 1. Donc, seuls mes duplicats vont apparaître. Et donc là, on voit que c'est Adaptation Holds qui apparaît. J'ai juste à ça dans une commande table expression. Je peux mettre un delete derrière et dire, bon ben quand le duplication time est supérieur à 1, je le vire. Derrière, j'ai supprimé mes 40 lignes. Euh, superflu. J'ai fait mon nettoyage comme je le souhaitais et c'est super pratique avec cette fonctionnalité-là. Repassons sur la partie un peu plus requête. C'est un cas, ça c'est quelque chose que je suis toujours content quand je l'utilise, c'est les joins latérales. En fait, si je devais dire, donne-moi toutes les trois dernières locations de tous les films. Pour chaque film, les trois dernières. Ok. Je viens de voir les road numbers, je vais les utiliser. Je vais, taguer, mettre, un plus, euh, mettre une étiquette en fonction du titre ou de l'ID euh, qui va bien en fonction de mon modèle, et donc je vais avoir tous mes films. Derrière, je mets ça dans ma commande table expression et je filtre. Je veux que les trois premiers, donc tous ceux qui sont inférieurs à trois, je les garde, sinon je les vire. Ça veut dire que j'ai loadé la DB, j'ai tout étiqueté pour virer des choses. Mais en fait, dans la description de départ du problème, pour chaque film, je souhaiterais avoir les trois dernières locations. Alors en fait, c'est un for each. Ça, on peut le faire avec du join latéral et respectivement ici un left join latéral. On va faire un select de mes films et en fait, pour chaque film, left join latéral dans ce cas-là, je vais pouvoir faire une sous-requête. Et cette sous-requête, petit élément particulier, elle accède aux lignes de l'autre table. Généralement, quand on a ça, on ne peut pas parler d'une table à l'autre. On a un ensemble à droite, un ensemble à gauche. Ici, on a accès à la ligne de chacune des tables de gauche dans la requête de droite. En fait, ce qui va se passer, c'est que le moteur va lancer n fois la requête que vous voyez imbriquée, euh, va la lancer n fois pour chacune des lignes. Donc là, on va avoir une ligne égale une requête. Et donc, je ne vais pas loader plus de choses, je vais loader que ce dont j'ai besoin, parce que j'ai mon limite 3 directement dedans. Par contre, plus de requêtes. Le système va potentiellement l'optimiser, le, 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 mais c'est à prendre en compte. On a le moins de data, mais on a fait plus de requêtes. Et un, un point euh, pour finir sur les requêtes SQL, la pagination. Et là, je vais même vous demander de faire un, un shift d'esprit un peu sur cette partie-là. On a tous tendance, en tant qu'ingénieur, à coder des paginations hyper técos. C'est une page, c'est cinq éléments, et quand je veux la... Nème page, je fais n fois le nombre d'éléments, plus 1 ou quoi que ce soit. Et là, vous le voyez, en fait, toute la logique de pagination, elle se trouve dans le limite et l'offset. Je veux la page suivante, ben, je change un truc dans l'offset. Ça marche quand on a très peu de data. Ce que je vais vous montrer, ça, euh, le problème, c'est que si vous gérez un site marchand avec 50, 100, allez, 500 euh, valeurs dans votre DB, ça passe. Mais dès que vous allez passer avec des centaines de milliers d'éléments, sans index et compagnie, ça va très vite ralentir parce que le limit et l'offset sont exécutés très tard. Donc ça veut dire qu'on va loader énormément de choses, faire des traitements dessus pour ensuite les ordonner surtout, pour ensuite les retirer. Et ça, ce n'est pas, pas efficace. En SQL, on va pouvoir utiliser ce genre de choses. On appelle, certains appellent ça des stick functions et qui vont permettre de faire des comparaisons entre des tuples. Donc là, vous le voyez, hop, ici on a un tuple avec deux valeurs qu'on va comparer à un autre tuple avec deux valeurs. En fait, il faut changer son esprit là-dessus et se dire qu'on ne va plus demander la énième page d'un système, mais on va demander la page, un nombre X d'éléments, après le dernier, de, un, après un paramètre. Donc par exemple, le dernier de ma liste de la page d'avant. Donc en fait, votre UI ne va généralement plus demander la page n, elle va dire donne-moi les cinq éléments suivants de cet ID-là. Et donc, ça, ça va permettre, puisque le where s'exécute beaucoup plus tôt dans le, dans le système, c'est juste après le select, après le, 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 le from et le join, pardon, il va loader énormément moins de choses et derrière pouvoir filtrer. Donc, ça, ça va augmenter les perfs et ça passe à l'échelle sur des systèmes où vous avez beaucoup de choses. Et n'oubliez pas, hein, vos utilisateurs, ils s'en foutent de loader la page 36. Ça n'a pas de sens, en vrai. Et tous les gros systèmes, GitHub, Style et compagnie, quand vous faites une, un historique sur vos commits et que vous allez à la page suivante, ben, en fait, il fait exactement ça. Vous voyez le commit ID et il demande la page suivante après ce commit ID. Donc, beaucoup des gros systèmes le font. Allez, maintenant, on va descendre. On va descendre dans les, dans, dans les couches. Euh, serial. Le type serial, et il y a un spoil sur le slide, je n'aime pas les serials. En fait, tous les exemples de cette présentation, pour des soucis de. Concision sur la partie euh, SQL, on utilise des serials. hormis en plus du fait que les serials, ça veut dire qu'on peut déterminer l'ID suivant d'un truc, donc potentiellement pour des attaques en BDD, ce pas bien. Mais en plus, il va avoir plein d'effets de bord. Donc, déjà, je... par contre, il est simple à utiliser. Hein, vous déclarez ça comme ça. Derrière, vous faites un insert. Petite digression faites des returning ID, title, pour avoir le, la valeur en retour, plutôt que de devoir faire un select post insert. Vous faites ça, vous allez obtenir cet élément-là. Cool, j'ai mes datas. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé Quand j'ai créé ma table, le système a créé une variable globale, qui est la séquence, pour stocker l'ID du prochain potentiel ou du courant. Savez, il y a des fonctions utilitaires dessus pour aller prendre la valeur d'après. Donc déjà, j'ai une variable globale. Et comme on sait, PG peut être distribué potentiellement. Euh, en fonction des distributions, il peut même être distribué en écriture majoritairement distribué avec un read-write et plusieurs reads, mais il faut avoir l'accès en lecture aussi à ce truc-là. Donc ça veut dire qu'on a une variable globale distribuée dans un système. Moi, désolé, en tant que développeur, ça me file des frissons. Euh, avoir des choses distribuées et globales. Donc là, ce que je vais vous conseiller, c'est d'utiliser des UID plutôt. Alors, petite note pour les, 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 les personnes qui connaissent la logique avec les UID, ils ont une volumétrie qui est plus importante, quelques autres défauts. Donc, c'est la partie la plus simple, les UID. Si vous voulez des choses un peu plus avancées ou qui font plus de choses, n'hésitez pas à aller chercher vers d'autres types d'UID. Ça permettra de solutionner des problèmes d'ordre et ce genre de choses. Mais là, on va le faire avec les UID aujourd'hui. Comment je le fais ben, J'active l'extension UID OSSP. Elle est built-in dans la majorité des, 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 des districts de PG. Et je vais utiliser ça dans ma déclaration d'ID. De, de, et parce que je n'aime pas les valeurs nulles, je vais lui mettre un UID généré de V4 par défaut. Mon insert est exactement le même. Je fais encore un returning ID et title. Qu'est-ce que je récupère Ça. Alors oui, c'est plus volumineux en termes de stockage. Euh, par contre, j'ai éliminé l'objet global. Parce qu'au final, la BDD va utiliser l'entropie, donc la source de génération aléatoire. Donc faites attention qu'elle ne soit pas pourrie par configuration. Euh, elle va utiliser cet élément-là pour générer de l'aléatoire. Donc, normalement, il y a plus de chances que votre équipe de dev entière euh, se fasse euh, taper par la foudre en sortant du boulot qu'il y ait un clash entre deux UID dans un système. Donc, logiquement, vous êtes safe. Mais par contre, ce qui peut être utile, si on dit qu'on les génère aléatoirement, eh, plutôt que de demander un returning avec l'ID et le title après, eh, pourquoi on ne va pas les générer côté appli ces UID, puisqu'on peut les générer, l'aléatoire il est un peu partout. Si votre source d'aléatoire est bonne aussi dans votre code, vous allez pouvoir générer les UID dans votre code et les récupérer derrière directement parce que c'est vous qui les avez générés. Donc vous faites un insert sans le returning. Donc qui peut être, et perso, c'est ce que je recommande. Et c'est vraiment, en fait, utiliser un type comme ça, ça vous amène plein de choses et en fait de des éléments de conception pour améliorer votre système. Et comme je l'ai dit pour la sécurité et d'autres choses, ça évite les attaques par énumération. Donc généralement, vous êtes gagnant. On va descendre encore plus bas maintenant. Les contraintes. Imaginez, là, depuis tout à l'heure, je travaille avec des titles pour différencier les choses. Mais en vrai, un title, ce n'est pas une bonne contrainte d'unicité ou de gestion des films dans ma BDD. Euh, donc, je suis allé regarder, il y a ce qu'on appelle un NISAN, qui est l'ISBN, comme pour les livres, un identifiant unique pour les films. Or, c'est un format qui est particulier. Euh, petite digression encore, vous pouvez utiliser des regex POSIX. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec les pourcents et compagnie du modèle SQL. Le tilde ou tilde étoile, qui sont l'équivalent l'un l'autre de la version case-sensitive et case-insensitive, vont vous permettre d'utiliser des regex un peu plus évolués que celles par défaut. Donc, Utilisez-les, c'est pas plus mal. Et derrière, j'ai ce check-là que je vais pouvoir mettre en place et je vais mettre une contrainte d'unicité, puisque tant qu'à avoir un truc unique, bah, tant le vérifier. Et donc ça, je l'ai créé sur ma table. Qu'est-ce qui va se passer Je crée un film, euh, j'insère un film, pardon. Bah, si je mets un UID à la place de Lisanne, ça va péter. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'avoir une erreur claire. Pas avoir un truc qui pète dans l'appli potentiellement, d'une part, mais... Quelque chose qui me dit, voilà, le check que tu as défini à cet endroit-là, il ne marche pas. Et donc, on a une erreur qui est intelligible et plus simple à débugger. J'insère un film, il marche. J'insère le même film une deuxième fois, ça pète, encore une fois, mon unicité. Et mon erreur est bien affichée. Donc, en termes de debug, encore une fois, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Et si on débug plus vite, on améliore forcément la prod. Mais ça, cette tisane, euh, si j'ai besoin de le partager, si j'ai plusieurs tables qui ont cette tisane, comment je vais faire ben En fait, dans PG, il y a la notion de typage. Vous allez pouvoir créer des structures de type. Alors puisque je n'ai aucune imagination, j'ai numéroté les noms des blocs. Et derrière, je vais pouvoir créer un domaine qui est, pour faire court, un check au-dessus euh, du type et qui va pouvoir vérifier le, le format de la data au moment de la création. Ça, ça a été l'une des raisons pour lesquelles euh, Michael Stormbaker a créé PG. En fait, c'était l'algorithme des types qu'il a voulu ajouter dans PG et il y a eu des awards liés à cette partie-là. Si je crée un objet, ça va se passer comme ça. Alors vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'un utilisateur devrait voir dans la UI avec le ISAN au début et compagnie. Mais j'ai en mémoire l'information nécessaire pour pouvoir travailler avec. Donc ça me suffit. Si j'insère quelque chose qui ne correspond pas au check, eh ben, ça pète encore avec une erreur qui me dit que le check du domaine ne marche pas correctement. Donc ça encore une fois, ça m'aide pour ma création. Et si vous voulez être euh, ISO PG, vous allez pouvoir utiliser des fonctions isan to text, text to isan, isan equals et compagnie. Et pouvoir créer ce genre de choses dégueulasses avec des machin qui appelle des trucs, qui appelle créer des paramètres. En fait, c'est parce que là, si on fait ça, on a oublié une partie du problème. Quand on a des types, il nous faut d'autres choses. En fait, là, c'est des types qui sont utilisés de manière moche. Un type est bien si on a des opérateurs qui vont avec. Et en fait, ces opérateurs, on va les avoir dans PG. Vous pouvez créer vos propres opérateurs. Attention, n'en faites pas trop. Comme d'habitude, comme il ne faut pas en abuser. Mais là, par exemple, mon isan est quoi Je vais pouvoir y attacher une fonction ou une procédure. Et lui dire, bah tu vas utiliser cette chose-là pour comparer le type à gauche et le type à droite. Et donc vous allez pouvoir écrire quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit en bas et être utilisé dans du SQL et dans du, euh, côté PG. Donc c'est vraiment très pratique parce qu'en dev on se retrouve avec des structures qui sont pertinentes et qu'on peut voir et analyser. Et même dans la DB, quand vous analysez ce qui se passe et qu'est-ce qui est lent, je préfère voir ça que des trucs pas castés de string dans tous les sens. Donc là c'est vraiment très pratique. Moi, c'est vraiment une des fonctionnalités que j'aime le plus au travers de PG, c'est pouvoir calquer un petit peu ce modèle de type pour travailler avec des choses un petit peu plus simples. Une autre feature euh, sur la notion des conflits. En fait, les conflits, euh, on n'aime pas trop les gérer. En fait, c'est la, la, la gestion d'erreurs exceptionnelles. Dans PG, on a plein de choses pour les gérer. Avec une certaine limitation, on va le voir. Si je voulais, par exemple, insérer en badge des films, bah, je pourrais le faire, je vais, faire, je vais insérer. Mais qu'est-ce qui se passe si un film existe déjà bah, On va pouvoir, donc là, si le film a une contrainte d'unicité, bah, il va falloir gérer les cas. Et on n'a pas de if, hormis si on fait des procédures stockées dans du SQL, mais on va pouvoir le faire avec la notion de gestion de conflit. Donc là, si on regarde la liste de mes films, bon, j'en ai deux dans cette table, OK, avec des dates associées. Euh, et je vais faire mon insert. Mais cette fois-ci, mon insert, je vais rajouter la clause de on conflict je lui passe la contrainte en question, donc c'est la contrainte d'unicité du titre, tu vas faire quelque chose. Donc en fait, si on pourrait très bien dire s'il existe déjà, do nothing, ou s'il existe, tu vas juste changer une date. Donc là, on voit que les deux premiers de l'insertion ont des dates, mais ne sont pas reflétés dans la partie basse, parce qu'au final, les trucs existaient déjà, donc en fait, il a juste fait un last update, égal now, sur la ligne qu'il avait trouvée, qui était en conflit. Sinon, le troisième, Just for Demo, lui, a bien sa bonne date qui a été insérée. Donc, ça va vous permettre de gérer des conflits. Par contre, ceci a une limite. On ne peut gérer qu'un seul type de conflit dans une requête. Et ça, c'est un petit peu lié à la norme SQL qui a amené la notion de merge. La notion de merge, en fait, va être quasiment cette notion-là, mais sous stéroïde. Donc, on reprend notre modèle, mais cette fois-ci, qu'à métier, j'ai ma liste de films, donc ceux qui existent dans ma ludothèque, et les films demandés par les clients. Je veux que celui-ci soit ajouté à la collection des films disponibles. Imaginez ça. Donc, et en plus, je gère les ratings et le nombre de fois qu'un film a été demandé par des clients au sens demandé en termes d'ajout. Donc, on regarde la liste de nos films demandés. On a cette liste-là, et on, a, on voit qu'on a un film juste pour des mots et un qui est trop violent avec un rating art. Et la liste des films qui existent ici, on en a que deux, qui ont été chacun demandés une ou deux fois. En fait, l'idée euh, du merge, ça va vraiment de mettre face à face des choses et de faire se rapprocher de la data. Avec ce type de requête, on va d'abord se focuser sur la partie haute. On va merger into quelque chose. Donc, en fait, c'est la destination, la table dans laquelle on va insérer des choses. Et dans le using, là, on va faire une jointure, parce que c'est une des choses les plus communes en SQL. On va faire une jointure avec les data qu'on veut insérer à l'intérieur. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre face à face des choses, la destination et la source, et faire de la gestion des cas. Et donc là, on le voit, ça va se passer comme ça. Les données qui sont à gauche vont partir et être insérées dans les éléments qui sont à droite en utilisant la, le critère de jointure, qui est ici le titre du film. Pas suffisant, ça aurait été mieux d'utiliser l'ISAN, mais ce sera suffisant dans notre cas. Et la partie importante, c'est comment on va gérer les cas, et euh, plus loin qu'une un seul, seule contrainte. Ici, à noter, on gère les cas en euh, de manière ordonnée. Ça veut dire que si la première, vous mettez un when true, bah, tout le monde va aller là-dedans, jamais les autres seront interprétés. Donc vous voyez vraiment ça comme chacun des blocs, c'est un return. Et donc ce qu'on va faire, bah, si il y a un match, donc le match c'est quoi C'est la notion du using qui a matché, donc deux titles sont, sont identiques. Ok, tu fais un update de la ligne plutôt que de faire autre chose. Donc là, je fais juste un plus 1 sur la valeur du nombre de fois le truc a été requêté, Demandez pardon. Si le film n'a pas matché, not matched, mais qu'il est rated R, je ne veux pas l'insérer, c'est un film trop violent. Par contre, cas suivant, donc ça veut dire que ce n'est pas un rated R, c'est tous les autres rated je vais, et qu'il n'a pas matché, je vais faire un insert. Donc là, comme ça, je vais pouvoir gérer plein de cas entre ma source et ma destination. Et donc gérer un merge qui est apparu avec PG15. Donc euh, il faut avoir une version récente. Le résultat de tout ça, j'ai inséré, ça a bien incrémenté les deux premières lignes, la dernière a été ajoutée, et le film trop, vi le trop violent n'a pas été mis du tout dans le système. Et donc avec ça, on a en un seul coup fait un merge d'une source de données vers une autre. Allez, on descend encore plus bas. Euh, listen and notify. Pour faire simple, je vous dis que dans PG, vous avez quasiment un MQTT stateless light, très light. Euh, je vais me faire attaquer par les gens qui font du MQTT. Euh, sans détailler le trigger, en fait l'idée c'est qu'à chaque fois que je vais insérer quelque chose dans ma BDD, je vais envoyer sur une file de message le JSON de ce qui a été inséré. Rien de plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai. Un client qui vient, qui s'inscrit. Mot clé Listen, il s'inscrit sur une file de messages appelée film.add. De l'autre côté, une autre appli, métier, peu importe, qui vient faire des inserts. Et bien, celui qui est en Listen va recevoir tous ces, tous ces messages. Donc, le système va vous notifier en push. Il n'y a pas de pool, hein, ce n'est pas un truc tous les X secondes. Il va vous notifier en push de l'arrivée de nouvelles valeurs. Donc, vous pouvez imaginer que vous allez avoir donc un système, depuis la BDD, votre app, Jusqu'à la UI avec des WebSockets, de stream ou autre, qui va pousser de la data vers le client. Donc, vous avez tous les éléments et toutes les briques nécessaires pour faire des choses. Par contre, ce n'est pas un Kafka, ce n'est pas un truc évolué à ce point-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous inscrire après. Si vous vous inscrivez après, vous loupez les messages, c'est tout. Donc, gérez ça autrement. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas les contraintes d'un Kafka non plus. Donc, vous allez avoir le minimum. C'est bien et c'est en best effort. Si vous perdez la connexion, vous perdez les messages. Mais les messages, généralement, ils sont stockés dans la BDD, donc on peut toujours les concilier. Un autre type euh, que j'aime beaucoup dans la partie IPG, c'est les L3. Et en fait, ça, c'est une expérience de prod que j'ai vécue, et je vais vous en parler avec la saga Terminator. J'adore cette saga, et surtout Terminator 2, qui est pour moi l'un des meilleurs films d'action jamais faits. Et cette saga, maintenant, elle a une, un historique qui est un peu particulier, puisqu'elle n'est plus linéaire. Ils ont choisi, marketing oblige, de faire des reboots. Donc, dans les années 2000 jusqu'à 2010, ils ont fait le 1, 2, 3, 4. Euh, et ensuite, ils ont fait un soft reboot en, après le 1. Donc, c'est Genesis. Et après, ils ont fait un soft reboot après le 2, Dark Fate. Donc, on voit que bah, les films ne se suivent plus. Il y a plusieurs timelines, si on peut dire. Euh, donc, là, en termes de clients, si je suis quelqu'un qui veut voir le 6, quels sont les films qu'il so qu est nécessaire de voir pour. Pouvoir regarder celui-ci. Et donc, ça, on voit, et par l'appellation L-tree, on voit que c'est un arbre. Un arbre avec une racine, le 1, et des feuilles à différents endroits, ou des nœuds à différents endroits. Donc, ça, dans PG, on va pouvoir le représenter avec des types L-tree. Le type L-tree, donc là, j'ai mis un saga order. Type l -tree. Donc vous activez l'extension, dans tous les cas, elle est majoritairement built-in dans les distributions qui existent. Et je vais stocker, donc là j'ai choisi d'utiliser l'ID, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Je vais stocker dans la troisième colonne, donc le L3 représente l'opérateur de séparation, c'est le point, et avec une valeur séparée par un point. Et la valeur représente l'élément racine, le chemin entre la racine et le nœud sur lequel vous êtes. Donc au final pour le 1, bah, le 1 c'est à la fois un nœud mais aussi la racine, donc c'est 1. Mais pour le 2, c'est 1 2. Le 3, 1 2 3. 1 2 3 4 pour le suivant. 1 5 euh, puis 1 2 6 pour le dernier. Donc on voit qu'on a une représentation arborescente avec le chemin pour aller jusqu'à l'élément qui va bien. Et là, on va faire une requête un petit peu particulière. La partie de la commentable expression dans le haut, c'est juste la sélection du film 6, rien de particulier. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser cet opérateur un peu abscon, le arrobase chevron, qui permet en fait de dire que le truc à gauche est un ancêtre du truc à droite. Donc en fait, le 1 est bien un ancêtre de 1, 2, 6. Le 1 est compris dedans, au début. Le 2, 1, 2 est compris dans 1, 2, 6, ça marche. 1, 2, 3 n'est pas un ancêtre de 1, 2, 6. Pareil pour les suivants, jusqu'à arriver à 1, 2, 6, qui est lui-même un ancêtre de lui-même, donc il est sélectionné. Là, j'ai la liste de tous les films que je veux voir. Ça, c'est très intéressant si vous gérez dans vos applis des arborescences de données. Vous pouvez faire de l'appel pour trouver tous les parents d'un truc, tous les enfants d'un truc, et avoir. Il y a plein de super opérateurs. Il y a plein d'énormes opérateurs. Mais en vrai, dans mon cas de prod, je n'en avais pas besoin. Et je me suis rendu compte, après plusieurs mois de prod, ça marche du tonnerre, hein, c'est super performant, mais que j'aurais pu faire ça avec du SQL standard. J'aurais pu simplement définir le lien previous, donc avec une clé étrangère sur l'ID du précédent film. Donc là, ça aurait été un petit peu plus simple en termes de data. Et derrière, j'aurais pu utiliser, accrochez-vous, un with récursif. Donc le whiz récursif, c'est, comme dans tout élément de récursivité, c'est on va pousser la première data donc ce qui est haut dans la partie supérieure la première data c'est le film numéro 6 on le pousse dans un... voyez ça comme un tuyau et on pousse cette data et dans le tuyau on va recevoir ça et on va le mapper sur la deuxième requête après le union Hall, qui va lui regarder bon ben, le 6 il tire le film numéro 2 et donc ça re rentre ça va choper le film numéro 2 et le 2 va aller tirer le film numéro 1 et le 1 remonte va tirer le film bah, avant 1, il n'y a rien, donc nul. Et ça va arrêter la récursion. Et on va avoir ce genre de résultat qui c'est exactement le nœud du problème, euh, le résultat, pardon, et qui marche très bien. C'est du standard SQL, vous y avez accès. Bon, par contre, à chaque fois que je le code, moi, c'est un peu mon état d'esprit. J'ai du mal. Je saigne du nez et ça fait mal. Mais ça marche super bien. Allez, on descend encore une fois un petit peu plus bas avec les foreign data wrappers. C'est une super feature de PG qui va vous permettre d'accéder à de la data qui n'est pas dans PG, mais avec la force de PG. En fait, là, exemple et hello world typique d'un foreign data wrapper, avec un file, on va lui dire tu vas créer une table, tu la maps sur ce fichier-là, etc.password, c'est un fichier qu'on a à peu près tous. Euh, etc.password, le délimiteur, c'est les deux points, et j'ai créé ma structure de champ. Vous, avez, vous voyez, il n'y a aucun insert dans cette table. Et eh bien juste avec ça, je vais pouvoir faire des selects sur mon fichier. Et là, je trouve tous les users qui utilisent Bash. Donc directement, j'ai pu, sans faire aucun insert, gérer ma data. Donc potentiellement, fini de créer des tables, loader des trucs. Et ah, quand le truc a changé, on vide la table et on reload. Là, vous avez accès. Et le, le, si le fichier etcPassword change, mes résultats de requête vont changer, forcément. Donc, vous pouvez très bien utiliser ça. Alors bon, là, c'est avec un exemple file assez simple. On peut le faire avec des ligne de commande, alors je vous déconseille de faire un coup de curl pour aller appeler de la data à l'extérieur, hein. en termes de sécurité c'est pas bon, mais là encore une fois sur mon file system, j'ai scanné tout mon truc euh, et je peux voir tous les fichiers qui sont rwx. Ça a une utilité limitée sur des file system parce qu'il faut que le pg y ait accès, donc un, un, on peut, ça peut être un peu simple, mais on peut aller plus loin. Et il y a des foreign data wrappers qui existent pour énormément de choses. L'exemple basique remote, bah, quoi de mieux qu'un PG pour se connecter à un autre PG Je ne parle pas de clustering d'ici. Je parle vraiment, j'ai Masakila Database, je vais loader un deuxième PG, je vais lui faire un petit peu d'impersonnation pour qu'il ait accès au password et à l'identité du, du, du second, et je vais lui dire, bah, connecte-toi à cette instance-là. Et derrière, je vais pouvoir créer une table qui est mappée sur la table de Masakila Database. Vous voyez que je n'ai même pas eu besoin de respecter l'intégralité du modèle, pour de la lecture en tout cas. J'ai pu créer une vue qui s'appelle une Table, hein, dans ce cas-là, qui contient le minimum syndical. Et je peux l'interroger comme si c'était une table locale. Énorme avantage de ça, c'est que si vous voulez faire un join avec une table qui vous est propre de votre modèle, vous allez pouvoir le faire. Et ça, alors par contre, en termes de perf, vu que les statistiques ne sont pas forcément partagées entre la source et, euh, et la destination, bah, les utilisations d'index et les choses un petit peu plus évoluées, ça va être un peu plus long, clairement. Mais ça ça peut aller super loin. Ici on fait du PG à PG, il y a des JDBC data, data wrapper, il y a même des choses Stripe fournit des foreign data wrapper pour leur API. Et il y a quoi de mieux que de pouvoir faire des jointures entre vos modèles business et vos tables de consultation dans Stripe directement dans la BDD avec des select plutôt que de remonter dans les infos de la BDD dans du code pour ensuite faire des appels API à Stripe. Non, faites-le directement au niveau de la BDD, c'est la meilleure des choses. Donc, ça, ça va super bon. Allez, maintenant, on va voir sur les choses qu'il faut faire et pas faire. Majorité, c'est des trucs que j'ai subis en prod, donc je partage l'expérience. Ne pas faire. Ne faites pas de note in. Si vous avez à coder quelque chose et des requêtes qui font des notes in, je vous le dis, et c'est dur à assumer, je l'ai vécu, hein, euh, c'est que votre modèle, il est pété. Votre modèle objet ou table, peu importe comment on l'appelle, ne doit pas ressembler à la réalité. Il doit ressembler à ce, ce que vous voulez en faire. Donc, ok, peut-être qu'il qu fait exactement et qu'il mappe sur les entités euh, du monde réel, mais si vous êtes obligé d'utiliser un notin, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça, ça marche en Dev, mais dès que vous passez avec des volumétries un peu trop importantes, ça explose. Donc, n'utilisez pas notin, revoyez votre modèle pour adapter ça. Ensuite, l'héritage entre les tables. Début des années 2000, un langage nommé Java est apparu et a été assez trendy. L'héritage était présent, ils se sont dit « on va le faire aussi ». Fausse bonne idée, ce n'est pas un bon concept, ça marche très mal sur les tables. C'est d'ailleurs quasiment du legacy, les nouvelles features ne sont pas compatibles avec l'héritage des tables, mais puisqu'ils ne voulaient pas casser le passé, ils l'ont laissé. Donc ce n'est pas un truc shiny à utiliser, c'est juste du legacy laissé tomber. Et un autre, les timestamps. Je ne dis pas de pas utiliser de timestamp, mais pas celui-ci. Utilisez timestamp with timezone. C'est une super mauvaise idée d'essayer dans vos trappes de réaligner tout sur de l'UTC euh, 1er janvier 70 et de le faire tout de votre côté. Il y a la gestion des time zones nous dépasse tous, la gestion des dates nous dépasse aussi. Laissez ça au moteur de BDD. Donc au final, Timestamp with Time Zone, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et maintenant sur la partie Feel Good, ce qu'on doit utiliser dans PG si vous voulez aller encore plus loin. Il y a des super moteurs d'indexation de texte, mais dans PG, il y en a un déjà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller loader ou charger quelque chose et de l'opérer en prod. Vous pouvez faire de la recherche full text dans PG. Ça marche très bien et loi de Pareto, hein, 80-20, peut-être que les 80 disponibles dans PG vous suffiront et feront tout ce que vous voulez. Donc, utilisez-les. Vous faites du géospatial, vous voulez savoir si un point se trouve dans une zone. La meilleure extension de tout projet confondu pour faire du géospatial, c'est Postgis. C'est une extension PG. Vous avez accès à tous les types qui vont bien. Ça marche du tonnerre, c'est juste extra performant. Mangez-en, vraiment, c'est top. Et ensuite, mon troll parfait, vous voulez stocker du non structuré, montez pas un Mongo pour ça, vous allez perdre de la data. Euh, utilisez le type JSONB. Je l'ai fait parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait hier. Euh, donc a priori, c'est autorisé. JSONB, vous avez un champ, vous gardez toutes les fonctionnalités de PG, le côté acide, toutes les transactions et compagnie, et vous avez des index sur des JSON et des opérateurs évolués. Pourquoi aller chercher ailleurs Et ça marche avec du SQL, c'est top. Donc ça... Encore une fois, c'est génial. Et en prod, potentiellement, euh, si vous, vos applications, vous trouvez qu'elles ressemblent plus à des passe-plats vers la BDD qu'autre chose, alors c'est formateur au départ. Après, on s'en lasse et on en a marre de maintenir des applis pour juste faire du passe-plat. Utilisez des trucs comme PostgreSt ou GraphGene. Ça va créer des. il n'y a pas de scaffolding ou ce genre de choses. Ça va lire votre modèle et l'exposer en API REST, avec authentification et tous les trucs qui vont bien. Et ça va vous permettre derrière de. Déléguer tout ça à une brique qui sait le faire automatiquement. Donc, GraphQL euh, avec GraphGen, reste du reste, ça marche et au moins comme ça, vous pouvez vous concentrer sur quelque chose d'autre. Et PG, ben, ça peut tourner partout. Vraiment, il hein. euh, y a du PG qui tourne. Il était long ce slide. Il y a du PG qui peut tourner sur un Raspberry Pi. Alors, vous n'aurez pas des performances de malade et des volumes de malade non plus. Vous allez surtout niquer votre carte SD. Mais ça peut tourner. Donc pour vous dire de où on peut partir avec PG, jusque dans le cloud, avec euh, des opérateurs, donc si vous faites du cube, moi je recommande Cloud Native PG qui est... Je pense l'une des rares distributions et opérateurs PG qui a compris comment Kubernetes fonctionnait et comment PG fonctionnait. Et donc, en termes opérateurs, vous avez vraiment des, des, des CRD propres au niveau cube et quand même quelque chose qui marche bien au niveau PG. Si vous voulez du PG distribué au travers de plusieurs tables, euh, plusieurs régions et compagnies, vraiment distribué, parce que le premier, c'est vraiment pour du PG standard, euh, Yuga by DB, vraiment très bonne distribution qui va vous permettre d'avoir du stockage distribué de PG. Et sinon, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est d'utile de faire gérer le PG par quelqu'un d'autre. Sur Google Cloud, il y a Cloud SQL, AlloyDB, qui est une version d'un PG distribué multi-région avec du stockage distribué plus un gros vernis de, de fonctions d'intelligence artificielle. Donc vraiment, ça peut aller super loin. Les copains de chez Crunchy, Ivan, Clever Cloud aussi fournissent du PG. Vous pouvez les utiliser. En fait, c'est vraiment ce que je vais vous conseiller. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est là où sont les données importantes de votre business. Laissez ceux qui savent faire le manager c'est la meilleure chose. Et donc, pour finir, dans PG, il y a énormément de super features qui vont vous faciliter la vie, vous aider à travailler de manière plus simple, plus rapide et à déléguer le taf par un moteur qui sait faire les choses mieux que notre code malgré tout. Donc, vraiment, utilisez la doc est juste monumentale et Personnellement, je la trouve accessible. Donc, ça, ça permet vraiment d'apprendre. Moi, j'apprends énormément en lisant la doc de PG et les release notes. Je vous invite aussi à le faire. Je vous remercie. J'espère je espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci. Merci beaucoup. Je me tire dans ma boîte, là, je suis chez Ledger, et on, on avait tout, tout dans un index, grosso modo, là, des blockchains. Quoi. Avant, on les indexait dans du Cassandra, bon, parce que dans ce cas-là, on a tout dégagé, quoi. des Postgres. On, on, on prend la blockchain, on la fout dans, dans une table raw Postgres, et on fait toute l'indexation à partir de, de Postgres, qui dérive tout ça, un, un big zone, et les pertes, c'est un facteur 1000. quoi. En mieux. À mieux, à mieux moins cher, un plus rapide. Enfin, et, et ça marche de ouf. C'est juste incroyable. Merci, merci beaucoup. pour le retour. Ouais, alors, juste, on est assez short niveau timing, donc euh, on prend les deux questions et après euh, on partira en pause. Juste après, ouais. Ok, euh, merci beaucoup pour le talk. C'était super intéressant. Euh, juste une petite question. Est-ce que tu pourrais, si tu as le temps, euh, élaborer sur pourquoi l'inérite est une très mauvaise idée Alors déjà, même eux ne le supportent plus majoritairement. Donc ça veut dire que tu te retrouves avec des cas où tu veux utiliser des super nouvelles features. Ça ne va pas marcher avec de l'inérite. Et l'héritage, même dans le code aujourd'hui, on dit que c'est un mauvais pattern. La composition va être beaucoup mieux et la composition, c'est ce qu'on fait par nature dans... Euh, donc là, je te réponds plus philosophiquement sur la partie technique. Je ne pourrais pas te donner de détails de pourquoi il le déconseille. Moi, ce serait plus sur un élément philosophique de l'héritage, tu vas avoir de la gestion et dès que tu commences. De toute façon, on sait qu'on ne on s'arrête jamais à un niveau d'héritage. Les trucs grossissent et partent dans un mode où il y a tellement de choses que ça va, ça va juste être ingérable. Donc vraiment du déconseiller, soit par moi ou par l'équipe euh, derrière. OK, merci. Pas d'élément technique, désolé. Euh, moi j'ai une question sur les timestamps with time zone que tu yes. préconises. Euh, si je me trompe pas, en fait c'est pas with time en réalité c'est pas des time zones, c'est des offsets euh, à confirmer. Et, et ma question c'est du coup pourquoi on n'a pas du support des time zones qui sont souvent ce qu'on veut exprimer en termes d'intention de stockage c'est une très bonne question, et plutôt que de te dire des bêtises, je te dirais simplement que je ne sais pas sur cette partie-là pourquoi il euh, l'exprime que sur cette manière, de cette manière-là. Il y a peut-être euh, une histoire de complexité euh, sur la gestion de ces, ces choses-là, et un offset, un nombre, a beaucoup moins de chances de changer versus euh, les offsets qui sont liés à des régions, zones et des choses du monde réel. Hormis ça, je ne saurais pas te dire, désolé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas durant la pause, puisque c'était les deux dernières. Merci à vous et bonne fin de conférence.